Des attaques assez impressionnantes. Oh, par exemple, purée! C'est ça qu'on... Poisson! Oui, poisson! Ça rentre juste dans l'épuisette, dis donc. Allez, on va faire une petite pause pour le Foxino. Et on va passer donc au nouveau Ryuki. Nouveau Ryuki 70 Sinking. Donc là, en Spearhead. Donc, le ratruit assez connu. Grosse différence. Hein, déjà, l'armement ventral rotatif, parce qu'on sait que quand les poissons prennent ici, ben, ils peuvent facilement prendre appui sur le leurre, et donc le fait d'avoir une rotation au niveau du triple, ben, ça aide quand même à limiter les décroches. Ça peut aider aussi lorsqu'on pêche en simple, justement, on sait qu'on a un petit peu plus de décroches en hameçon simple, donc du coup le fait d'avoir cet armement rotatif, ça peut vraiment redonner confiance dans son armement et limiter les risques de décroche. Comment? Ah non, ouais, c'est vachement bas. Hein. Ouais. Hop, je vais poser un... Ah, faut que je... Ah, j'ai pas pensé à lui dire que je montais là. Ah oui, elle est derrière. Allez. Oui, elle est... Non! Dommage! Ah, elle a pris sur une pause, sur un arrêt. Ah, et du coup, hameçon en mêlée. Un petit défaut. Bon, après, ça peut s'être en mêlée après. Hein. On va pas accuser ça. Ah, t'es plutôt... Oh, c'était une petite. Hein. C'était pas un monstre. Ah ouais, il y a du monde, hein, du coup, sympa, du coup, je m'attendais pas à avoir autant de touches aussi vite. Oh! Ah bah tu vois! Ça a l'air mignon en plus! Hop là!
Eh bah joli, voilà. Ah bah tu vas gratter au leur souple. Ah, les flags. Ouais. Allez, bah, je vais mettre une mine. Oh, elle est pas bien. Pour la première. Tu veux que je te prenne une photo avec ton téléphone? T'as qu'une avec toi? Ouais. Tac, top. Pas capot, pas capot. Bien joué. Bien joué. Mon petit indice, hein, leur souple, bah, j'en avais parlé pas longtemps avant. Le leurre souple. J'ai plusieurs options pour le leurre souple. Je vais prendre avec on va prendre un petit Versacha dans 3 pouces qui est vraiment un très beau coloris qui ressemble beaucoup au verron. Et comme du verron, elles en ont pas mal ici. Ça me semble assez cohérent. Oh. A few moments later. Ça le mérite, ils sont vers sa chade, hein. La pochette dure à ouvrir. Ah, j'ai pas mis le gant anti-herbe. Je sais même pas. Non, j'ai pas envie de voir leur change. On va pêcher comme ça. Hop là. En sorte que je pense là, que ça fonctionne. Déjà, il va y avoir la cuisine là-bas, elle est vraiment petite, elle est pas bien commode. Ouais. Le seul inconvénient qu'on a, on peut même pas mettre le meuble là actuellement. Donc, pour l'aménagement et puis pour faire polymère, c'est un peu. Ouais. Oh, c'est un poisson. Oh, c'est gros. Oh, c'est gros. Oh, oui. Oh non, 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 une grosse truite, s'il te plaît. Oh, j'ai pas senti de touche, mais j'ai senti une lourdeur, j'ai ferré dans le doute. Ouais, ouais, je crois que t'as raison. Et ça se trouve, c'est par les bretelles. Ouais, c'est bizarre comme. Non, j'ai pris des coups de tête, c'est. Ouais, enfin, là, c'est lourd, mais. Non, c'est pas une truite parce que ça aurait tourné plus que ça. Oh, quoique, regarde, regarde, regarde. Oh, ah, si c'est une truite. Oh, là, on a. Oui, voilà, bah, je faisais exprès, en plus toi je lance et puis je descends en suivant le courant. Un Versa Shad, du coup le Shad, un Shad en 3 pouces. C'est jaune. Bah, c'est un barbeau. Il y en a avec toi. T'as dû harponner un barbeau. Oh zut. Ah, c'est ça zut. Non, mais vas-y. Non, regarde, c'est zébré. Oh non, c'est quoi? C'est un gros chêne. Gros chêne, ah oui. Ah oui. Hein? Oui, gros chêne. Je crois que c'est un gros chêne. Oui, c'est un gros chêne, par la gueule. Gros chub. Non, non. Ah non, c'est barbeau. C'est barbeau et bien propre par la gueule. Oh. 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 Janotage, ah oui, mais il a bien ramassé. Non, je croyais. Janotage, j'en avais pris un. Bizarre le combat, mais bien par la gueule. Oh le pépère, oh le pépère. Oh. Ah ouais, dans la gueule. Ouais, alors là, pas de doute. Il l'a bien coffré, bien gobé. Copain. Oh, j'aurais bien aimé que ce soit une truite parce que. Oh là là, laisse-le rentrer, il est gros, hein. Attends, t'es en dessous, fais gaffe, tu risques de prendre la tête plombée, là. Ah bah, arrête. Oh, attends, laisse-le venir. Voilà, là, il est. Putain, il rentre pas. Bah, attends, laisse-le, parce qu'il est bien piqué, là. Ouais, bah, mène-le au bord. Attends, mon épuisette est à peine plus longue. Ah ouais, putain, il rentre pas dans l'épuisette. Hop là. Ah, tu vois, celles-là, elles sont ovales. Du coup, je pense que. Et c'est une grosse mammaire, elle a l'air pleine d'œufs. Hop là.
Désolé, c'est fort. Hop là. Oh, bah, pas de soucis, il était bien piqué donc. Ouais, mais. Ça s'est bien pourquoi passé. Pourquoi il n'est pas rentré? Parce que je l'ai mal présenté. Non, c'est parce que ton épisode, regarde, t'as pas autant de longueur. Ouais, mais bon. T'as pas autant de longueur dessus. Ouh, bah lui, ça fait plier la canne ça. T'as un petit coup de. Sympa. De... Oh, de suspense. Non, mais d'activité là. Oui. Bah, parce qu'on est passé en souple et qu'on gratte au fond. Hein, je pense que. On fait pas la veine d'eau dessus, ça peut rapporter. Ouais. Ouh. Oh. De chou la bête. Il fait les 60. Hein. Ouh, ça poste. Là. Ah. Belle bête. Oh là là, 65. Alors, on place la toise comme il faut. On est à plus de 65. Ouais. Je vois du 66. Ouais, je dis 65 parce que la toise, elle s'aplatit un peu en dessous. Ouais, ça fait plaisir. Tac. Donc. Et bien donc, on vient d'enchaîner deux poissons, moi et Jeff. Jeff sur un petit leurre soupe sur la Mayfly de Ilex, que vous pourrez également retrouver en test sur Fish and Test. Mais puis moi, du coup, bah, on avait reçu en test les vers sachades que Ultimate nous avait envoyé, les vers sachades de Duo. Et bah, du coup, ça fait un joli petit shad, vous voyez, hein, un petit shad, on va dire, presque classique, hein, on va dire, un profil plat. Une caudale un peu charnue, pas très très fine, et du coup c'est ce qui fait qu'elle donne un peu d'inertie, et ce qui permet d'entraîner le corps du leurre dans sa nage, et ce qui donne un rolling intéressant à l'animation. Et donc en grattant le fond, bah, j'ai réussi à dessiner un barbeau, donc une truite, un barbeau au leurre souple. En grattant le fond, on continue sur sur ce pattern, hein, présenter un leurre souple faiblement grammé, parce que là moi je suis en 2 grammes, Jeff aussi je crois était entre 1,5 et 2 grammes, et donc bah, on va insister un petit peu, puis on va essayer de voir ce qu'on peut refaire là-dessus, on espère de la truite. Alors on veut la même truite, que le même gabarit que le barbeau que j'ai fait, entre 60 et 65 ça nous va, ce ne sera pas trop difficile aujourd'hui. Bon, bah, on peut se faire un petit bilan, hein, de ces premières heures d'ouverture. Bah, pas capot. Pas capot, et surtout pas capot, t'as fait la truite. Ouais. Hein, c'est ouverture truite aujourd'hui, hein. Pas ouverture barbeau aux dernières nouvelles. Bon, alors une jolie truite, ouais, 30 plus, hein, je pense. Ouais, peut-être 30, pas 35, hein. Mais non. Pas loin. Hein. Je pense pas loin. Puis s'ensuit à peu près sur la même foulée. Un joli barbeau, 65. On a raté les premières le matin, on n'aurait pas dû les rater. Ah, on a raté beaucoup de touches. Enfin, moi, en tout cas, j'ai raté 1, 2, 3... En arrivant. Ou bien 4 touches à vue. Et ce que j'ai pas vu non plus. Donc, pas mal de ratés. Elles étaient tapées très très court derrière les leurres, j'ai trouvé. On n'avait pas les bons, je pense. En attaquant. Peut-être. Sinon, on les aurait pris... Alors, du coup, toi, t'as attaqué au souple d'abord. Ouais. T'as raté 2-3 poissons. Oui, elle tapait, mais ça piquait pas. Ouais. Donc, et pourtant, on est repassé au dur avec des triples, avec des simples. Hein, rien n'y a fait. Et c'est finalement à la gratouille sur la Mayfly que t'as fait la truite. Mm. Et moi, sur un vers sachade pour le barbeau. Donc, encourageant quand même, il y a du poisson dehors. Et puis, on va essayer de changer de secteur pour aller voir ce qu'on peut faire ailleurs. Je disais, bon, j'ai fait pas mal de touches sur le Ryuki Spirit dans 70 ce matin. Cet après-midi, c'était plus calme. Du coup, j'ai fait mon poisson sur la lame. Au niveau batterie, t'es à 35% quand même. Hein. Ouais, bon, ça va, j'en ai 4 de batterie. Hein. Ah oui, d'accord, ça. Et puis après, je le branche. Ah ok.
je la branche là-dessus. Ah, est-ce que ça marche? Donc moi quand je filme, j'ai encore une batterie pleine là. Ah, ça fait bizarre sur le bras. Alors l'angle de lancer n'est pas idéal. Hein, bon. Spearhead, fer de lance, ça se lance. Pareil, une fourche devant, il est fou. Impressionnant. Tu prendras le temps de ranger ta boîte quand même, parce que. À part monter là, bête. Descendre plus bas. Là, je mange bien la bordure. Il faut. Je vais me chasser dans les cailloux, elles sont dans ces eaux-là. Je vais me chasser un coup, mais c'est pas sûr pareil. Je pense pas qu'elle m'ait vu parce que. Ah, mais elle s'est piquée, ça se trouve, elle s'est piquée, hein, tu le sens non, pas. Non, elle a pas tapé dedans. Ouais. Elle s'est retournée trois fois derrière le leurre, elle était juste là. Non, au caillou, là, en bas, là, elle s'est piquée. Et... après, je dis, c'est mort. Elle a pu me voir quand même, parce que je suis quand même bien détaché, même si je suis un peu discret au niveau couleur, je suis quand même un camouflage. Je suis sur l'eau, donc ça. Ah, du moins les trucs de morto la semaine prochaine. Ah bah attends, mais c'est pas cette année, c'est l'année d'avant. C'était monté vachement, on n'était pas arrivé à les prendre. Ah bah trop... les trucs qui disparaissent. Oh, puis il faut dire aussi qu'à morto, il n'y a pas que les pêcheurs qui s'en occupent des truites. Hein. Quelques clients pour se servir. C'est ça. Les truites débranchées. Ah oui, ah bah là aussi. Hein.
poisson, oui, elle est belle. Oh, jolie petite zébrée. Yes, yes, yes. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, elle est belle. Yes. Magnifique. Ouais, ouais. Hop là. Oh, sans ardillon, on espère qu'on va pas la perdre. Hop là. Oh, yes, elle était calée dans les cailloux sur la bordure. Magnifique. Oh, elle est belle. Oh, yes. Elle est splendide. Oh, sur la petite Valtianum de Valkane. Ah, belle, jolie petite zébrée. Magnifique. Ah, je suis heureux. Hameçon simple, sans ardillon, vous voyez. Micro-lame. Prévu pour la pêche en area, donc pour des truites arc-en-ciel au départ. Mais là, je l'ai utilisé sur la truite Fario, zébré du Doubs. Et là, on a un magnifique poisson. Regardez-moi ça. Ce joyau. Oh, elle est superbe. Une grosse tête. Oh là là. Elle peut plier. Ben, c'était une très belle action, hein, une jolie truite. Alors, on a passé du leurre dur, on a passé du leurre souple, et ben, on a remarqué que les poissons aimaient bien la position des leurres souples, qui passaient profondément dans l'eau. Les vibrations des leurres dures les faisaient bien décoller. Du coup, ben, moi j'ai monté la petite lame de chez Valkane, la Valtianum. Ça m'a permis, là en plus c'est très léger, hein, c'est du 2 grammes 3, donc très très léger, mais pourtant vu que c'est une lame, ça descend assez profond, et ça m'a permis de décaler un poisson qui était calé au fond sous la bordure, et bah du coup le spot validé, une très très belle truite zébrée, magnifique, et donc bah, on s'en va... insister avec cette lame, et puis bah, essayer d'autres leurres quand même, mais bon, là ça permet de pêcher profondément et d'avoir une animation assez vive, avec une nage très frétillante, et bah, ça l'a fait sortir, et elle l'a chassée plusieurs fois devant mes pieds, jusqu'à la prendre devant moi, donc magnifique action. Bon bah, on refait le bilan, hein, puisque ça a coupé la première. Bon, on a revu du poisson bouger, et surtout on a été peinards sur la berge, là, ce qu'on a fait là. Il y avait moins de monde. On a pêché toute l'après-midi, on a pêché tout seul de notre côté, il y avait deux pêcheurs derrière nous, donc relax. Et on a vu du poisson de sortie. On a réussi à sortir une truite, finalement une belle zébrée quand même, poisson de 41. Donc beau poisson, ça fait plaisir, ça valide la session, on a tous les deux fait une truite. Un petit barbeau bonus, ça, c'était chouette aussi ce matin. Et là, bah, dernière option pour essayer de dessiner un poisson. Ouais. On part à l'opposé du parcours, on remonte tout au-dessus, puis bah, on va voir essayer de compiler ce qu'on a vu sur les leurres et puis d'optimiser ça. Leurre souple, leurre dure. Et puis en espérant qu'elle sorte au coup du soir, qu'elle revienne un peu sur la berge. Il y a un soleil qui perce, mais là, le soleil devient rasant. Allez, on va essayer de faire ça. Oh, la trouvaille! Oh, magnifique! Oui, date de l'année dernière. On a donc... Ah, oh, dommage, j'ai tout fendu. On a donc un Rapala Tail Dancer.
J'ai eu le petit rappel à la taille glanceur. Bon, là, les âmes sont tout pour Rave. C'est mouru, hop là, dans le sac. La responsabilité de ce dernier choix un peu désastreux, hein. C'est pas du tout les postes qu'on recherchait, beaucoup de courant, pas assez de calme et pas de poisson dehors, hein. On n'a rien vu bouger, pas une touche, on n'a pas été bon, ou on n'a pas été bon peut-être, mais bon, ouais, non, moi j'aurais préféré pêcher des zones plus calmes et moi j'avais pas pêché cette zone là en début de saison. C'était pas forcément le meilleur choix. Ça vaut le coup de venir. Ouais. Bon, allez, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Hein. Je referai des vidéos de ce genre à l'occasion de l'ouverture, peut-être bientôt. Hein. C'est dans pas longtemps. Laquelle? Une semaine. Ouverture de la truite. Deuxième ouverture de la truite. On se retrouve pour la deuxième ouverture de la truite. Allez, à bientôt. Ciao. Poisson, oui, elle est belle. Oh, jolie petite zébrée. Yes, yes, yes.